Добро пожаловать в мой канал. Après avoir fait passer un check-up médical complet à Donald Trump, le docteur Ronnie Jackson a déclaré que l'examen du président américain s'est déroulé exceptionnellement bien et que, outre quelques kilos en trop, le président était en excellente santé. Il a révélé, entre autres, que Donald Trump, 71 ans, a obtenu un score maximal à un test cognitif. Il n'y a absolument aucun signe d'un quelconque problème cognitif, a commenté le docteur Jackson, alors que beaucoup de questions autour de la santé mentale du président sont souvent posées. Lors de la conférence de presse à la Maison Blanche, le médecin assure qu'il n'avait pas l'intention de faire passer ce test car, fréquentant Donald Trump tous les jours, il n'a aucune inquiétude sur sa capacité cognitive. La raison pour laquelle Jay fait passer ce test, c'est que le président me l'a demandé, a-t-il souligné. Quel est ce fameux test? Il est baptisé le Montréal Cognitive Assessment MoCA et consiste en une série d'épreuves courtes à réaliser en 15 à 20 minutes, reconnaître un animal, se souvenir d'une suite de mots, dessiner l'heure sur une horloge, dessiner un cube, se souvenir de 5 mots, etc. Telles sont les tâches demandées. Cliquez sur l'image ci-dessous ou extrait du test pour découvrir les exercices demandés. Devant l'apparente facilité du test, quelques moqueries ont fusé sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce test est des plus sérieux mis en œuvre en 2005 par le docteur Ziad Nasreddin, neurologue à l'hôpital Charles Lemoine de Longueuil, Canada. C'est un outil reconnu de repérage psychométrique. C'est un test très complet, conçu pour repérer des troubles neurocognitifs légers chez des personnes ayant un risque de développer une maladie d'Alzheimer, explique le professeur Marc Verry, professeur de gériatrie à l'université Pierre et Marie Curie, auteur de la maladie d'Alzheimer Solar Editions, 2017. Ce test évalue la concentration, l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire à court terme, le langage, les praxis visuelles constructives, reproduction d'un dessin par exemple, les capacités d'abstraction, le calcul et l'orientation. Donald Trump a, selon son médecin, obtenu un score maximal de 3030. En général, un résultat se situant entre 2730 est considéré comme normal, 1826 indique la présence d'une atteinte cognitive légère, 1017 indique la présence d'une atteinte cognitive modérée, plus petit que 10 indique la présence d'une atteinte cognitive sévère. Résultat auquel il faut ajouter un point si la scolarité du patient a été jusqu'à 12 ans ou moins. Cette échelle cognitive pour la détection précoce de la maladie d'Alzheimer est traduite dans 55 langues et dialectes et utilisée dans plus de 126 pays. Le MoCA est aussi aujourd'hui utile pour la détection des troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson, dans les accidents vasculaires cérébraux et dans la maladie de Huntington.